L'Inde a la réputation d'être le berceau des civilisations du monde. Ici, religions et cultures ont leurs racines, et des traditions millénaires y sont perpétuées. Et pourtant, l'Inde est tout simplement en train de révolutionner l'action la plus universelle de l'humanité, la naissance. Moment de détente, chez les Shivastars. Et petit déjeuner pour les petites Nishtha et Nyati, des jumelles de 2 ans et demi. Leurs parents, Rajesh et Usha, ont attendu près de 13 ans avant de pouvoir avoir des enfants. Pas étonnant donc que les deux fillettes soient devenues le centre de toute leur attention. Les jumelles sont les enfants biologiques de Rajesh et Usha. Mais ce n'est pas leur mère qui les a portées pendant 9 mois. Usha ne pouvait pas mener une grossesse à terme, elle a donc eu recours au service d'une mère porteuse. On nous a dit que si nous faisions faire des tests ADN à notre enfant, il aurait notre sang, quelle que soit la personne qui lui donne naissance. Depuis le début, c'est ce que nous voulions. Nous voulions que nos enfants soient les nôtres. Peu importe qu'ils soient nés de l'utérus de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous voulions, c'est qu'ils soient à nous. C'était notre conviction et nous avons attendu 13 ans pour cela. Nous aurions sûrement pu adopter ou recourir à d'autres méthodes. Mais nous avons finalement découvert cette méthode et ça nous a plu. Mère porteuse, une activité en pleine explosion en Inde. Pas loin de 3000 cliniques et hôpitaux offriraient ce service à leurs patientes en mal d'enfant. C'est le cas de cet établissement, la clinique de la fertilité des docteurs Shefali et Dinesh Jain. C'est ici que les petites jumelles de la famille Shivastar ont été conçues. Située dans un quartier huppé d'Indore, au centre de l'Inde, la clinique propose une solution à tous les couples qui ont du mal à avoir un enfant, y compris les services de mère porteuse. Et pour répondre à la demande sans cesse grandissante et recruter des candidates mères porteuses, la clinique n'hésite pas à recourir aux petites annonces. Je vais vous montrer l'annonce que nous avons passée dans le journal. C'est celle-là. Cela dit que nous avons besoin d'une mère porteuse qui doit avoir moins de 40 ans et être en parfaite forme physique. On peut nous joindre à tout moment, nous donnons notre numéro de téléphone ainsi que notre adresse. On peut venir nous voir directement. La petite annonce est même bien plus explicite. Les termes utilisés ? Utérus alloué. Car en Inde, être mère porteuse, c'est une activité commerciale rémunérée comme n'importe quel autre travail. Un travail, c'est ce que Jana est venue chercher aujourd'hui à la clinique de la fertilité. Abandonnée par son mari, cette jeune mère a besoin d'argent pour vivre avec sa petite fille et elle vient juste d'entendre parler de l'établissement et de la possibilité de devenir mère porteuse. Bonjour, j'aimerais des informations pour devenir mère porteuse. Et comment avez-vous entendu parler de nous ? En fait, j'ai vu le docteur à la télé. C'est comme ça que j'ai su pour la procédure. Très bien, suivez-moi. Jana est reçue par les deux médecins fondateurs de la clinique de la fertilité, le docteur Dinesh Jain et son épouse, le docteur Shefali Jain. Depuis la légalisation des mères porteuses en Inde en 2002, les deux embryologistes sont devenus des célébrités dans leur pays. Ils sont régulièrement invités sur les plateaux de télévision pour y expliquer le principe de la gestation pour autrui. Et à écouter le docteur Dinesh, c'est très simple. C'est toujours réciproque. Quelqu'un a besoin d'argent, quelqu'un veut un enfant et est prêt à payer pour ça. C'est comme ça. C'est toujours réciproque. C'est comme si vous aviez un commerce. Vous voulez faire de la publicité pour votre commerce, alors vous engagez un attaché de presse pour faire votre communication. Vous payez cet attaché de presse et lui vous fournit un service. Ça va toujours dans les deux sens. Et pour les mères porteuses, c'est pareil. Les deux parties tirent des bénéfices de cette procédure. Payer pour avoir un enfant, cela peut choquer. D'autant que de nombreuses mères porteuses en Inde sont issues d'un milieu social défavorisé. La pratique peut donc à première vue s'apparenter à de l'exploitation de la misère. Mais pour les femmes qui acceptent de devenir mères porteuses, c'est souvent le seul moyen de s'en sortir financièrement.
En fait, j'espère gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Je vais en tirer le maximum. Mais bon, je veux aussi faire ça parce que mon cœur me dit que c'est une bonne chose. Ma conscience me pousse à le faire, à aider les autres. Mais si je peux en tirer une certaine somme d'argent, c'est bien. Elles ont toutes des besoins différents. Certaines d'entre elles veulent mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. D'autres veulent s'acheter une maison et n'ont pas assez pour payer la somme demandée. Il y a aussi celles qui ont perdu de l'argent dans leurs affaires. Et là, elles peuvent gagner en gros 2 à 300 000 roupies. 300 000 roupies, c'est près de 5 000 euros, ce qui représente 10 ans de salaire pour la plupart des mères porteuses. Beaucoup se laissent donc tenter. La clinique de la fertilité compte actuellement une soixantaine de femmes prêtes à devenir des mères porteuses. Quand il ne reçoit pas les futures mères, le docteur Dinesh passe son temps entre le laboratoire et la salle d'opération de la clinique. C'est dans cet environnement moderne, digne de n'importe quelle clinique européenne, que sont pratiquées les fécondations et les implantations. La procédure de gestation pour autrui, bien que très technique, est finalement assez simple. Tout d'abord, il faut prélever les ovocytes de la mère biologique directement dans les ovaires. Le docteur Dinesh va ensuite nettoyer ces ovocytes avant de les féconder grâce aux spermatozoïdes du père biologique. Quant à la mère porteuse, il faut d'abord s'assurer qu'elle est prête à recevoir l'ovule fécondé. Ce qu'il faut, c'est examiner l'utérus, s'assurer qu'il est normal. Ensuite, il faut vérifier le taux d'hormones et tout le reste. Idéalement, il faut aussi faire un dépistage du HIV et de MST chez la mère porteuse et son mari. Il faut aussi rechercher les différentes maladies, comme le diabète. Il ne faut prendre aucun risque quand on utilise une mère porteuse, car si elle tombe enceinte, elle ne doit avoir aucun problème. Il faut tout surveiller. Et nous prévenons également la mère porteuse que son mari ne doit avoir aucune liaison extra-conjugale. Quand tous les paramètres sont réunis, l'ovule fécondé est implanté dans la mère porteuse. C'est la dernière étape de la procédure. Il faut ensuite attendre 2 semaines pour savoir si l'implant s'est bien fixé dans l'utérus et si la mère porteuse est enceinte. La procédure coûte 2000 euros, payée intégralement par les parents biologiques. Des parents qui s'occupent aussi des frais de grossesse de la mère porteuse, en plus de sa rémunération. Pour Sunita, l'implantation a réussi et la jeune mère porteuse est enceinte de 3 mois. Comme n'importe quelle autre femme enceinte, Sunita est venue se faire examiner dans le cadre du suivi de sa grossesse. C'est cette fois le docteur Shefali Jain qui s'occupe de la consultation. La clinique s'assure que les mères porteuses auront un suivi psychologique, tout comme elle s'assure qu'un contrat en bonne et due forme est rédigé entre les parents et la mère. Car la loi indienne reste vague sur la question, il faut donc régler par écrit, avec un avocat, les moindres détails. Si cette patiente ne tombe pas enceinte, que fait-on? Si cette patiente avorte, que fait-on? Si elle a un accouchement prématuré, qui va s'occuper du bébé? Si le bébé a une maladie congénitale, alors quoi? Il y a de nombreuses choses dont il faut discuter, tout en restant dans le cadre de la loi. C'est là qu'intervient un avocat, les parents et la mère porteuse doivent signer un contrat et le traitement peut alors avoir lieu. Tout cela, c'est l'aspect légal. Ah, vous voyez, le bébé bouge. Tout va bien. L'accord, c'est que tous mes frais médicaux sont pris en charge ici, dans la clinique. Même si j'ai un simple mal de tête, je reçois les cachets gratuitement. On m'a vraiment beaucoup aidée. Les parents m'ont beaucoup aidée. Mon mari, c'était un escroc. Il était déjà marié et avait d'autres enfants.
Pourtant, je vivais quand même avec lui, en espérant qu'un jour il deviendrait un homme bien. Mais lui, il continuait à me battre. Et même si on a eu 3 enfants ensemble, il a fini par me quitter. Il s'est marié une 3e fois. Moi, je n'arrivais pas à m'en sortir financièrement au quotidien. C'est là que j'ai vu l'annonce et que j'ai accepté de faire son travail. Un travail qui est donc souvent le dernier recours pour des femmes particulièrement vulnérables dans une société indienne très machiste. Mais si la pratique commence à être répandue, elle reste taboue. Pas question pour une femme d'avouer qu'elle reçoit de l'argent pour faire naître l'enfant d'une autre. La plupart du temps, elles se cachent. Elles ne veulent dire à personne qu'elles sont mères porteuses. Comme elles sont mariées, elles disent qu'elles attendent leur propre enfant. La seule inquiétude, c'est d'expliquer pourquoi elles étaient enceintes et qu'au final, elles n'ont pas d'enfants. Mais elles ont des centaines d'excuses pour expliquer cela, qu'elles aient accouché sans avoir d'enfants. Quelque chose s'est mal passé avec le bébé, par exemple. Mais en Inde, être mère porteuse n'est finalement pas qu'une affaire d'argent. Ne pas avoir d'enfants ici est perçu comme un échec. Alors, dans de nombreux cas, c'est un membre de la famille qui se porte volontaire pour aider ses proches à procréer. C'est ce qui s'est passé pour les Shivastar. La propre belle-sœur d'Usha a porté les jumelles. J'en avais parlé à ma belle-mère, puis j'en ai discuté avec ma mère et ma belle-sœur. Tout le monde était d'accord. Elles m'ont dit que si un tel traitement existait, elles étaient toutes prêtes à m'aider. Je pleurais sans cesse. J'étais tendue, malade. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir survivre sans enfant. Tout le monde dans ma famille se sentait mal pour moi. Ils me disaient même que je pouvais prendre un de leurs propres enfants. Ils me disaient « Prends le mien, prends le mien !» Mais nous avions toujours voulu notre propre enfant, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors cette procédure n'était vraiment pas un problème. Grâce à leur mère porteuse, les Shivastar sont désormais une famille comblée. Et ce bonheur, c'est également ce que viennent chercher dans le pays de nombreux couples étrangers. L'Inde est en train de devenir une destination de choix pour qui veut recourir au service d'une mère porteuse. La procédure y est facile et coûte 6 à 10 fois moins cher que dans d'autres pays. On estime à 350 millions d'euros le chiffre d'affaires total généré ici par la gestation pour autrui. Yeah.